on va pas se mentir, quand je dis c'est quoi le piment dans le front, tu as des questions un petit peu osées. Je m'appelle Tai, j'ai 19 ans, je viens de Montréal. Je suis créateur de contenu, puis je suis créateur de Occupation Road. Occupation Road, c'est un jeu de séduction. Il y a un gars, puis il y a une fille, puis ça peut être le même sexe. Et dans le fond, ils doivent essayer de se charmer. Puis genre, dans le fond, principalement, genre, le gars, il a comme 5 minutes pour charmer la fille qui est à côté du live. Parce que moi, je suis en haut, je suis juste, il y a un gars, puis une fille. Ah, je pense que je suis tombé amoureux. La plus grande différence, il y a de la diversité, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre, on retrouve genre des Arabes, beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de Noirs, genre vraiment des tout le monde, on retrouve de tout. Non, parce que j'ai l'impression que si, on va dire qu'il met du monde de couleur ou etc. Je pense qu'ils le font parce qu'ils se sentent obligés, pas parce qu'ils veulent faire de leur plein gré, tu vois. Si j'aurais l'opportunité, je pense que ouais. Mais mon tchadien, à moi, il n'est pas très fort. Je pense pas que je serais sélectionné. Dors. Bye. Dors. Il y a plusieurs options. Si c'est pour la fille, si la fille fait trop d'attitude, moi, je la mets dehors. Parce que moi, en tant que gars, une fille qui fait trop d'attitude, on essaie de te parler. Même si le gars n'est pas trop ton goût, essaye de jouer au jeu. Donc, si, par exemple, le gars dit un truc de déplacé, genre il insulte la fille ou elle veut, je le mets dehors. Ou si le gars est vraiment malaisant ou sinon cringe, genre il a fini de dire quelque chose de cringe, puis là, genre, il y a un silence dans le live, là, je te mets dehors. OK. Next caller, dehors, monsieur, dehors. C'est-à-dire que, comme, tu sais, dehors. Voilà, c'est juste. Dehors. Une fois, deux fois, trois fois, dehors. Karim, on veut du piment, s'il vous plaît. Sinon, okay, c'est... Okay. On va pas se mentir, quand je dis c'est quoi le piment dans le front, tu as des questions un petit peu osées, genre c'est quoi tes fantasmes, c'est quoi, je vais pas aller plus loin, mais genre t'as compris. Ouais, on veut du piment s'il vous plaît. Presse, est-ce que tu penses que tu peux mettre du piment dans la conversation? Je vais pas te mentir, j'ai tellement envie de goûter le sucre de tes lèvres. Oui, il y a du monde. Mais ils veulent pas que je mette leurs photos genre dans mes réseaux, donc je respecte ça. Mais ils me disent qu'ils sont allés en date ou sinon, qu'est-ce qui est drôle aussi, on va dire s'il y a un gars qui est rentré dans le live, genre quand il clique le live, même si il a pas eu un match, les gens qui regardent le live vont aller comme le parler, puis ils vont en date. C'est un match, bravo. Dire que t'as des beaux yeux, t'as un très beau sourire, puis ton regard est vraiment attirant. Il y a un petit peu trop de gens dans le live en ce moment, donc je sais pas si t'aimerais poursuivre la conversation dans les DM, puis après on pourrait voir qu'est-ce qu'on pourrait faire.